Oui. Nous en avons été alliés. Mais en tant que représentant, peine à nous donner l'éducation, nous devons payer à l'explication. Nous devons faire la information. Nous devons tout membre, peine à information et explication. Certainement, je dis, il y a des concessions. Nous accepter faire en dépit des exigences respect de la loi de la Constitution qui te préoccupe nous. Elle est constatée, les gens ont mouru, les gens ont kidnappé, elle a gardé mauvaise gouvernance en pleurs qu'elle apprend chaque jour dans le pays. Elle a gardé comment massacre a fait dans le paquet de côté dans le pays. Dernière madame à Cité Soleil, plus passé 300 personnes qui ont perdu la vie, nous dit pas qu'une concession qui est possible et imaginable en une peine que nous n'avons pas fait pour le pays. Et c'est dans ce sens que nous retrouvons sous table pour parler. Yo. Pour parler, ce n'est pas facile. Parce que les gens qui sont sous table, nous ne croyons pas de bonne foi ni de bonne volonté, vrai. Mais étant donné que nous connaissons la vie en Haïti, le pouvoir en Haïti, c'est avec un pile pincette et difficulté même pour finir arracher ça qui est pour le peuple dans le monde, le pouvoir. Nous ne sommes pas désespérés. Nous croyons avec certitude, nous avons fini par mener le monde au pouvoir. Vers la voie de la raison. Dieu soit loué. Il y a commencé à comprendre. Et il a demandé de nous un temps pour réfléchir plus. Pour nous capables de reprendre le processus de négociation. Nous avons un petit temps. Nous souhaitons que nous fassions. Parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Et nous autres, nous n'avons pas qu'à continuer à garder les frères actuels. Nous avons mouru dans les mauvaises conditions qui ont mouru là. Parce que hier, nous avons gardé un jeune garçon avec 20 litres, 20 litres sous bras, qui ont mis le devant, sous un mouton, et on a sacrifié. Et pendant que nous avons gardé, il m'a fait allusion à Abraham, il a sacrifié Isaac. Il a dit, petit main, on sorti. Il a dit, on côté, petit là, il a dit, papa, moi bois, moi de l'eau, moi couteau, moi du feu. Même pas pour un anioua. Jeune garçon, ça n'a pas même des chances pour te poser des questions. Il s'est marché devant, et puis on a un examen de gros midi, parce qu'il n'y a pas de rêve. Mais nous, LDG, qui a passé dans le pays, à cause d'une équipe insouciante, une équipe qui n'a pas ni volonté ni capacité. D'ailleurs, on va le rappeler, dans le pouvoir, l'un des premiers ministres. Avant, pas je me dis un mot pour ça qui est passé la plaine. Pas je me dis un mot pour ça qui est passé la Cité Soleil. Le premier ministre a été fait aveu de capacité pour dire les bons problèmes, côté de porter solution ou on pas qu'à porter solution, c'est silence ou fait on va parler du tout. Ça veut dire le premier ministre dit qu'il n'est pas capable. Eh bien, nous autres, c'est vrai, en dépit des difficultés qui nous ont on a continué à camper pour nous faire toute concession possible et imaginable. Nous disons ça qui est possible. Au respect de la Constitution de 1987, on a continué à gommer, on a continué à dialoguer avec vous pour nous faire une solution parce que les Haïtiens ne pas arriver. Encore, c'est vrai, discussion, ce n'est pas facile. Débat, il y a des gens qui ont la loi sur nous dans la tête. Il y a des gens qui ont été mis dans la tête. Il y a des gens qui ont parlé de l'exécutif. Mais c'est pas mauvais air. Prends-le. Mais il y a un pile là qui comprend. Et moi, je suis capable de dire le principe du bicéphalisme. Le principe exécutif du bicéphale que nous-mêmes avons peine. Nous avons prôné depuis longtemps. L'acte. Nous sommes capables de dire oui, l'acte. Parce que nous avons dit nous allons le reformuler seulement. Parce que c'est formulation qui va traîner. Mais les actes,
en attendant de reformuler, nous sommes en attendant pour tourner sur la table, pour continuer à discuter avec vous, pour qu'il y ait un agenda qui est établi ferme et pour nous joindre des vrais dirigeants qui vont adresser les vrais problèmes pour porter solution à un peuple qui n'est pas capable d'en encore et qui a souffert trop, je vous le dis. Merci à vous.